Osala malamu. Alors. Mungala ya solo, abanga kali kamboche, azala kobe misoka, atambola kana fiere. Nabeli bangala nyoso, bamongo bambuza, bangwandi bangwaka, totele matobi nana rythme mboka nanga, atako mondele la tio, kobo son origina yote, tozali obe babantu, kobo sana bisiko utite. Mungala ya solo, epana biso na yakoma. Mungala ya solo, abanga kali kamboche, azala kobe misoka, atambola kana fiere. Nabeli bangala nyoso, bamongo bambuza, bangwandi bangwaka, totele matobi nana rythme mboka nanga, atako mondele la tio, kobo son origina yote, tozali obe babantu, kobo sana bisiko utite. Mungala ya solo, epana biso na yakoma. Mungala ya solo, abanga kali kamboche, azala kobe misoka, atambola kana fiere. Nabeli bangala nyoso, bamongo bambuza, bangwandi bangwaka, totele matobi nana rythme mboka nanga, atako mondele la tio, kobo son origina yote, tozali obe babantu, kobo sana bisiko utite. Mungala ya solo, epana biso na yakoma. Mungala ya solo, abanga kali kamboche, azala kobe misoka, atambola kana fiere. Nabeli bangala nyoso, bamongo bambuza, bangwandi bangwaka, totele matobi nana rythme mboka nanga, atako mondele la tio, kobo son origina yote, tozali obe babantu, kobo sana bisiko utite. Mungala ya solo, epana biso na yakoma. Mungala ya solo, abanga kali kamboche, azala kobe misoka, atambola kana fiere. Nabeli bangala nyoso, bamongo bambuza, bangwandi bangwaka, totele matobi nana rythme mboka nanga, atako mondele la tio, kobo son origina yote, tozali obe babantu, kobo sana bisiko utite. Mungala ya solo, epana biso na yakoma. Mungala ya solo, abanga kali kamboche, azala kobe misoka, atambola kana fiere. Nabeli bangala nyoso, bamongo bambuza, bangwandi bangwaka, totele matobi nana rythme mboka nanga, atako mondele la tio, kobo son origina yote, tozali obe babantu, kobo sana bisiko utite. Mungala ya solo, epana biso na yakoma. Mungala ya solo, abanga kali kamboche, azala kobe misoka, atambola kana fiere. Nabeli bangala nyoso, bamongo bambuza, bangwandi bangwaka, totele matobi nana rythme mboka nanga, atako mondele la tio, kobo son origina yote, tozali obe babantu, kobo sana bisiko utite. Mungala ya solo, epana biso na yakoma. Mungala ya solo, abanga kali kamboche, azala kobe misoka, atambola kana fiere. Nabeli bangala nyoso, bamongo bambuza, bangwandi bangwaka, totele matobi nana rythme mboka nanga, atako mondele la tio, kobo son origina yote, tozali obe babantu, kobo sana bisiko utite. Voilà. Mes chers frères, Ndekolangaï, va congolais, Namonique, Ezali, Lelo, Eza, occasion, Nameka, Tomeka, Rousoula, Nopenagi, Toko, Tomeka, Tomeka, Tchaba, voilà, français, le point sur les i. Parce que des fois, ce qui bisso de quoi on a bissa kembeti à mon bouddhiste non corrompu n'a décidé qu'au adopter moi position mon co ya non bien mon sagesse parce que bato soit mon nom ça besoin bah mon soit mon nom quoi ça flatterie mon soit mon nom quoi ça faiblesse mais position mon co au yezali par rapport ya réalité en Cambodge en Congo il n'y a pas le bâté que d'attendre ma zoba. Aujourd'hui, vraiment, je vais essayer de parler aux gens qui gesticulent, les gens qui parlent de gauche à droite, les gens qui profitent d'une situation pour mettre tout un peuple, tout un groupe de gens dans l'alignement, dans le camp, 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 dans le camp,
y a salité de gauche à droite. Je veux essayer d'être un peu très clair aujourd'hui. L'autre parlait, si bah, point O, bon, moni, il y a point O, il y a Boketune, il y a pas sur le drapeau, l'ambassade à Congo. Allez, bah, je dis Boketune égale Zaïre, parce qu'il y a Tombolaki dans son sac drapeau à Zaïre. Donc, bah, mélanger bah, tout, bah, tiens, bah, on a le Boké Moko, Kofinga, 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 Kofinga. Aujourd'hui, je vais un peu essayer de vous dire, moi, c'est ma vérité, moi, à mon quai, peut-être. Et surtout qui s'abîme au Moukou, et surtout qui s'abîme peut-être en attendant. Le président Félix Antoine Tshilombo, Azaïk a voté, Azaïk a soutenu la bataille de peste. Moi, bissa, j'ai soutenu le président Félix Antoine Tshisekedi avant Bino Batou, beaucoup de fanatiques, beaucoup de landes, beaucoup de massimales, beaucoup de flatteries, bande des hypocrites. De flatteurs, de lécheurs de cul sur la corruption de Bengabdoulou. Vous êtes partis, vous sautez directement, vous comme femme, il y a Macass, il y a Idepes, il y a Félix, il y a béton, béton, béton. Parce que vous n'avez pas un objectif. Vous ne savez pas pourquoi vous vous battez. Parce que si vous comprenez bien ma position, j'ai une position très claire. Net, j'essaie de faire les choses dans mes cas causales équilibré le plus que possible. Pendant 15e mois, là, Boyoki, je ne sais pas ce que Boyoki en a bien. Ce Boyoki en a bien, laissez-moi vous expliquer. Je suis villageois 100% de l'Équateur, Mbandi 100%. Mon père est d'Abouzi, ma mère est de Yakoma. C'est-à-dire que dans la dernière des villageois, dernière de. Vous avez idée. C'est-à-dire que ce que vous avez histoire à Congo, tant que la Belgique va coloniser Congo, à l'époque, la Belge, oh le lobo, tout est là, tolo. Ma yebi, ce qui est Bangala, Bazabanani. Dans un monde où il y a Zobate, dans un monde où il y a noblesse, il y a classe sociale, où il y a éducation, il y a pour vivre dans mon kili, à travers mon président, le maréchal Mobutu Sese Seko, Kukumbendu, Wazabanga. Ça, c'est mon président. Et je n'ai pas honte de vous dire que je suis mobutiste et non corrompu. Et quand Tabino bien, et fan dans ma caboche, Tabino très bien, position dans l'air. Je suis l'un des rares Congolais, si pas l'unique Congolais, qui a eu le courage. Et l'audace devant Monsieur Étienne Tshisekedi du Wamungu, ma paix à son âme, que je respecte beaucoup, de lui dire, je suis mobutiste et non corrompu, Batoiseau, aucun dialogue, le peuple ne veut pas de ce dialogue. Je ne l'ai jamais insulté. Je dis ouvertement. Parce que c'est un père, papa Étienne Tshisekedi. Et je suis un Mongala qui connaît la valeur Yamikolo, Yaba aîné. Comment est-ce qu'on doit respecter les aînés? Je suis Mongala qui connaît la valeur Yaba Luba, Yaba Congo, Yaba Swahili, Bissonyo Soli Bokeboko. Je vous dis que je suis le fils du maréchal Mobutu. Je ne sais pas, on a vu ce moment-là, on a vu à l'objet qu'après on a beaucoup de plaisir. Non! Mobutu, erreur, na union, c'est notre responsabilité pour les corriger. C'est nous qui sommes vivants. Si nous n'arrivons pas à corriger le faute au Mobutu Sala qui est la Deuxième République, nous allons inculquer à nos enfants de faire ce travail. Ne pensez pas que nous sommes des lâches. Pas du tout.
Il ne pensait pas que tous les Bangala sont comme Boketu. Pas du tout. Boketu, c'est mon frère. Je suis contre Boketu dans ses insultes. Je suis contre Boketu dans certains de ses agissements émotionnels. Mais je ne peux jamais ouvrir ma bouche et insulter Boketu. Comme je ne peux jamais ouvrir ma bouche et insulter les gens qui sont à côté de Félix et qui insultent les Bangala Boutumoy. Vous insultez pas Boketu, vous insultez tout le monde. Quand je vous vois, on se côtoie, on se parle de gauche à droite. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance du combat dans la Congo. On ne s'est pas bâti pour que Félix devienne le président. On s'est bâti pour qu'il y ait les changements. Et pour qu'il y ait cet changement, Moutou Oyo Akoka qui commémabit son changement, la situation, il y a tout le monde, politicien, mais Dieu Krobazalaki, selon moi, Bissa, je me disais, c'est lui. À cause du parti politique, à cause de la situation actuelle, en Mboka, les autres là ont contribué à faire en sorte que Kabila reste au pouvoir. Tous les opposants là, les Katumbi, le Jean-Pierre Bemba, tous ces gens-là, c'était les gens qui ont travaillé avec Kabila. Et ce sont eux qui ont fait en sorte que Kabila reste au pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit non. Le moins mal est ce Félix. On doit le soutenir. Quand Félix a soutenu Fayulu, moi je fais, il y a des vidéos, je dis quand il a choisi Fayulu, on est tous derrière Fayulu. Quand ça n'a pas marché, c'est rentré. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle les calculs politiques. Moi, je fais 20 ans à côté de ce que vous appelez le vieux Mobutu, c'était là. Je suis sorti avec elle à l'âge de 19 ans. J'étais militaire de jeune âge à 19 ans. J'étais à côté de ce vieux-là à l'âge de 19 ans. Je te laisse seul. Les mettre une histoire sur le bâton. Jeune à l'époque. Il y a tous les généraux de Mobutu, Ngai Moko. Le seul. C'est-à-dire que tant que tu mets dans ma solo, Oyo, et bien, moi, je me suis bâti dans ce pays-là. J'ai capturé des villes dans le Congo. C'est-à-dire que je ne suis pas dans YouTube. Non. Et je me prépare pour aller au Congo, participer à la transformation en Mboka. Quand Félix a dit que les gens des Kabylistes, ce sont des partenaires, je dis non, ils ne sont pas des Kabylistes. Et je le dis ouvertement devant tout le monde. Je n'ai jamais mâché mes mots. Je ne soutiens pas Boketu dans ces bêtises. Ce sont des bêtises. Insulter les gens, crier, faire des vidéos. Ils pensent que ça va rien changer du tout. Moi aussi, je suis mécontent dans beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses. Mais quand je ne parle pas, je regarde l'intérêt. Il y a Mboka Oezali Liboso. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Est-ce que les agissements que nous allons faire maintenant, que moi, Bissa, je vais faire maintenant, si je me permets de commencer à insulter les gens ou à faire des révélations bidons sur Facebook, ça va changer quoi au Congo? Et en français, on a dit, un tiers vaut mieux que deux tu l'auras. Sur carte, qu'est-ce que nous avons? La situation actuelle dans le Congo est un ennemi. Félix ne nous donne pas tout ce que nous voulons. Moi, personnellement, Bissa. Félix n'est pas en train de me donner tout ce que moi je veux. Mais je n'ai pas d'autre choix à côté. Si j'avais d'autres choix, on allait faire d'autres choses. Bon, surtout qu'il n'y a pas d'autre choix, quand tu as quelque chose qui t'appartient, tu regardes les bonnes qualités des choses que toi tu as. Comment tu vas l'utiliser? C'est pareil avec des relations avec des gens. Tu es en amitié, en relation d'amour, avec des gens. Regarde les côtés les plus positifs. Qu'est-ce que nous allons profiter, Félix étant là? Nous allons arriver dans le combat Félix, quoi. Dans ma camoille, il y a un drapeau. Boukéchou déchire le drapeau. Azul drapeau, il y a Zahir, à tiens. Pour moi, dis ça. Je parle de moi, je ne parle pas de Boukéchou. Ce n'est pas toi, un individu qui va. Les drapeaux qui ont été déchirés, c'est anormal, c'est stupide. Tu ne peux pas déchirer, tu ne peux pas insulter Félix, sa femme, ses enfants, maman Marthe et sa soeur. Ah non, je vais vous dire, peut-être que vous avez oublié. En 2014-2015, je ne sais pas, je ne sais même pas quand. J'étais parti dans Réunion à Baboketu. Patrick Effond, j'étais présent. Maître Donat était présent. Ils étaient en train de préparer ma finger
le président Étienne Tshisekedi de Mulumba avant Koufa. Je suis rentré dans la réunion, Boketu m'avait appelé, parce que moi et Boketu, on se parle. Boketu, c'est mon frère. Je suis arrivé dans l'ensemble des réunions, demande à Reskaza, il pourra peut-être vous dire ça. Ils étaient en train de parler, les Chomongo, les Pitu, tous ces gens qui sont dans le peuple Mokonzi là-bas, ils étaient là-bas. Ils étaient en train de parler, Étienne Tshisekedi, quand ils ont fini, j'ai dit, vous avez fini? Oui. Je leur ai démontré où ils étaient, où était Tshisekedi, et que ce qu'il faisait, ça et bien donc, on jouait contre Bango. C'était sur le tableau. J'ai pris crayon, marqueur, j'étais en train de les démontrer sur le tableau que si, c'est quoi leur objectif. Ils m'ont expliqué leur objectif. Je leur ai dit, si vous voulez atteindre l'objectif ici, les actions que vous êtes en train de faire vont détruire que vous n'atteignez pas vos objectifs. Si vous voulez atteindre vos objectifs là-bas, voici ce qu'elle dit. Vous, vous êtes ici en bas, très loin. Si vous voulez monter là-bas, vous devez vous accrocher à lui. C'est-à-dire que, un, la première chose, vous devez d'abord demander pardon. C'est pourquoi vous avez vu les Boketu demander pardon à Manda et à Papa Tshisekedi. C'était moi. C'est moi qui avais fait ça. C'est moi, Bissa, qui avait fait ça. Ce qui m'écœure dans tout ça, dans ces histoires des drapeaux, si quelqu'un a commis un crime, il doit être arrêté. Si quelqu'un veut porter plainte, tout, moi, je ne peux pas déchirer les drapeaux. Je sais que ces drapeaux-là étaient venus au Congo par les Rwandais. Je ne peux pas les déchirer. Moi, de toutes les façons, ces drapeaux-là n'entrent pas dans mon cœur. Je ne pourrais pas supporter ça. Mais dans la situation où nous sommes, nous avons beaucoup de choses à faire que d'aller sur les futilités. OK? Là où moi je veux, je suis un peu écœuré et je commence vraiment à revoir ma position vis-à-vis de tout ça, et que quand vous prenez Boketu et vous dites Boketu égale Zaïre, moi je suis Zaïrois moi. Regardez-moi très bien. Je suis Zaïrois. Je suis le fils du maréchal Mobutu. Et j'ai dit que tous les défauts des Mobutu, nous devons les corriger. Et j'ai dit encore que tous les Mobutistes qui ont détruit les Congos qui sont vivants, ils doivent être jugés. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis le fondateur des Mobutistes non corrompus. Je ne veux pas mâcher les mots pour dire que je ne suis pas Mobutiste. Je le suis. Mais quand vous insultez Zaïre, et vous faites Zaïre égal à Boketu, c'est-à-dire n'oubliez pas que vous êtes en train de me mettre dedans. Vous devez très bien scinder les choses. Au Zaïre, il n'y avait pas que de voleurs et de tueurs. Je vais un peu vous réfléchir la mémoire. La personne qui a créé les Zaïre et les MPR, c'est Mobutu et Étienne Tshisekedi du Amulumba. Étienne Tshisekedi du Amulumba a laissé Mobutu depuis quelle année? Et il a travaillé avec Mobutu pendant combien d'années? Il fut l'un de ceux qui ont créé le MPR. Et il a dit ceci. C'est pourquoi je respecte ce monsieur. Il a dit, Mobutu savait ce qu'il faut faire, mais il disait autre chose, il faisait autre chose. C'est pour vous dire quoi? Dès la fondation du MPR, dès que les Zaïre étaient formés, les gens qui ont jeté la base de la fondation d'Izaïre, c'est le président, le feu président de l'IDPS, Étienne Tshisekedi du Amulumba. Parce qu'au départ, l'idée, l'idéologie, le manifeste, oh, ils allaient qu'ils prennent un Congo, mais ça qui tombe comme un. Le seul drame où Tshisekedi avait quitté Mobutu, c'est parce qu'il ne mettait pas en pratique ce qui vous était dit. Moi, Bissa, si je deviens président du Congo, manifeste, hein, c'est les moutons aux ongles. Hein. Parce que les manifestes, hein, c'est les saïmans qui maintiennent Tshisekedi au Mobutu. Ne pensez pas que les projets de société, il y a Mbokabatouazangamo, ça existe. Le vrai problème est que nous n'avons pas de gens capables de mettre en pratique ce qui est dit, ce qui est bien pour le Congo. C'est pour cette raison que je vous ai dit, avant d'assumer de responsabilité, il faut savoir d'abord se préparer. Vous ne pouvez pas, vous levez le matin, on vous nomme conseiller, on vous donne la responsabilité, mais vous allez tout gâcher. Ne mélangez pas Boketu avec moi, Zaïrois. Si Boketu commet des bêtises, parmi vous, parmi les gens qui soutiennent le président
Félix Azol Tshilombo, il y a aussi des stupides, des brigands, des impolis, des mal élevés. Mais ce n'est pas pour cette raison que moi je ne peux pas soutenir Étienne Tshilombo. Félix? Non. Il y a des gens qui sont des tribalistes. Bokeh, tu peut-être parce que vous avez fait de lui un star, un binôme comme ici. Mais vous avez fait à Bokeh tout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous savez, pour que quelqu'un devienne célèbre, c'est vrai qu'il était musicien au Congo, il était en train de chanter et de danser dans Tawa Zaïre. Mais Bokeh, vous avez fait de à Bokeh tout les leaders dans la diaspora va combattant. Vous-même. Parce que vous manquez les tacts. Il y a que quand quelqu'un, à son moment, Benadino, vous répondez à cette personne, mais dans le leadership, ça s'apprend. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire la publicité de cette personne et cette personne sera de plus en plus connue. Quand vous répondez, Bokeh, tu, c'est bien bon, c'est mauvais. Il y a deux façons que quelqu'un peut devenir populaire, dans les mauvais sens et dans les bons. C'est pourquoi vous regardez, vous allez remarquer que plusieurs artistes, des stars, même, sont en train de c'est comme ça que ça se passe. Et vous, je vous ai dit, quand les gens là n'insultent, si vous ne pouvez pas prendre les drapeaux, calmez-vous. Si vous allez porter plainte, allez porter plainte. Quand Kabila était au pouvoir, combien de fois on a vu brûler les drapeaux du Congo? Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat s'il se comporte comme un voyou, s'il a fait quelque chose que vous pensez qu'il a crime. Mais allez directement, l'ambassade existe, j'ai vu la lettre de l'ambassade. Le dossier est clos. Le plus important, c'est les Congo. Le plus important est que Félix puisse faire les choses correctement par rapport au soutien que nous avons donné. Mais vous ne pouvez pas. Ça, je ne peux pas tolérer. Moi, je suis Aïwa, insulté Bokeh tout. Mais si vous mélangez Bokeh égale Zaïre, vous devez mettre dans votre tête que vous êtes en train de mettre Bissa dedans. Vous devez, ça ne doit pas aller loin de vous. Insulter Bokeh, c'est un fanatique du Zaïre. Il pense qu'il va remettre le drapeau du Zaïre. C'est ça qui fait de Bokeh. Écoutez, moi je suis l'un des héritiers politiques du maréchal Mobutu. Je n'ai pas besoin qu'une personne vienne de me dire que Bissa tué. Non. Pas du tout. Je sais que je le suis. Je me prépare, je me forme en conséquence. Je ne pas. Écoutez, calmez-vous. Calme, je vous dis, calmez-vous, Boutchabaïnassé. Yumazati. Et puis, autre chose. Vous pensez, par exemple, que comme le président Félix est là-bas, les gens ne doivent pas parler. Tout le monde a le droit de parler, que ce soit ceux qui sont pour lui et contre lui. Pour la simple raison que Félix Antoine, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a entre ses mains notre trésor qui est le Congo. C'est-à-dire que le Congo n'est pas une entreprise privée. Il y a Félix, ou bien il y a UDPS, ou bien il y a famille, il y a UDPS, pour dire que les autres ne doivent pas parler. Quand il était dans l'opposition, peut-être c'était votre parti, mais maintenant il est en train de. C'est lui qui est le gérant. Il est notre travailleur du Congo. Et nous sommes les patrons du président Félix. Un président de la République, c'est les travailleurs du peuple. Et moi, je suis ce peuple-là. Même ceux qui ne sont pas, même les gens de Fayoul, même les gens de Lamouka, tous ces gens-là, Moto, gérer Mbokalabango, qu'ils acceptent ou pas ce Félix. Et quand vous allez vous mettre à ce niveau-là, on va mettre un niveau à hauteur et à noblesse, vous comprenez, ils disent, vous savez, c'est pourquoi je vous dis que je suis mobutiste. Et je suis fier de l'être. Je ne suis pas fier de tuer des Mobutu. Non. Tous ceux qui ont commis ces actes-là doivent répondre. Il y en a qui sont vivants. Il y en a qui sont vivants. Ne pensez pas que si moi, Bissa, j'ai la chance et que les choses vont de la sorte que moi je les responsabilités, les premières personnes qui vont passer à la barre, ça va être les Mobutistes. Ça, croyez-moi, ils vont passer à la barre. Les Mobutistes de la Deuxième République, ils vont passer à la barre.
C'est-à-dire, si nous avons des preuves contre Papa Mbanda, il va passer à la barre. Nous avons des preuves contre Jean-Pierre Bemba, il va passer à la barre. Nous avons des preuves contre tous ces gens-là. Et ce n'est pas ça. N'oubliez pas que moi, je viens de l'Équateur aussi. Et il y a eu des gens de l'Équateur qui ont eu des responsabilités durant la Deuxième République, la responsabilité sous Kabila, et ils n'ont rien foutu à l'Équateur. Mais ces gens-là ne peuvent en aucune façon avoir des responsabilités. Ils ont détruit. Mais quand vous parlez du Zaïre, faites très attention. Parce que moi, je suis le fils du Zaïre. J'ai mes mains qui sont propres. Mes mains sont propres. Mais mon père s'appelle Mobutu. Et je suis moi, Nazaïre. J'ai ouvert mes yeux sous les. Si tu n'es pas mon Nazaïre, c'est ton problème. Si tu ne veux pas être mon Nazaïre, c'est ton problème. Mais un peu du respect envers le gens qui vous respectent. Ne mélangez pas les Zaïres égale à Boketchou. Et vous n'êtes pas Dieu pour dire que Zaïre et Ozon n'a jamais. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas l'absolu de ce qui va arriver demain. Il y a eu des gens qui ont dit jamais IDPS est au pouvoir. Aujourd'hui, Félix est président du Congo. Et si l'histoire elle-même ne vous apprend rien, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un des bons élèves, l'histoire. Allez vous en. Bon, que nous fassions la place, bon, mais la café, bon, mais la champagne, et amusez-vous. L'histoire vous apprend qu'il y a eu des gens qui ont osé dire ceci, que Mouloud Aokoma est président de la République. Mais aujourd'hui, la réalité est en train de vous prouver, noir sur blanc, qu'il y a un Mouloud qui est président de la République. IDPS, qu'on soit quand jamais pouvoir. IDPS, aujourd'hui, a vu pouvoir. Alors arrêtez de dire que non, Zaïre, qu'on soit quand jamais. Sous les Zaïres, il y avait les dignités des citoyens zaïrois. Sous les Zaïres, le peuple zaïrois avait les respects partout dans le monde. Sous les Zaïres, vos parents ont eu des bourses pour venir étudier. Sous les Zaïres, les Zaïres, il y avait ce qu'on appelle. Certes, Mobutu n'a pas pu changer les Haïti, effectivement. Il a conservé son pouvoir, il a gardé son pouvoir. Les côtés social, Mobutu a échoué. C'est la raison pour laquelle nous devons voir où est-ce que Mobutu a échoué. C'est pourquoi je dis que je suis Mobutu, c'est le corrompu. Ne mélangez pas Boketchou. Sachez que quand vous insultez les Zaïres en gros, même si tu es mon ami, même avec qui on parle, c'est toi dans ton cœur que ce que je suis en train de dire, je suis en train d'attaquer, d'insulter et de dire à M. Bissaké Métia, qui est mon ami, qui me soutient, qui est à mes côtés. Je suis un peu gêné quand vous mélangez Boketchou et les Zaïres. Ça, je suis gêné. Et quand vous tiens, vos parents étaient des Zaïrois. Vos leaders étaient tous dans les Haïts. Est-ce que c'est Mobutu qui a créé, qui a fait toute la constitution? Il y a Zaïre, voilà, Yomoko. Mais les gens qui aujourd'hui qui s'appellent des opposants, sont. Je respecte le président Tshisekedi Doamon parce qu'il a dit ceci. Je ne sais pas si j'ai la vidéo. Il a dit, Mobutu savait au moins comment les choses se font. Et il le faisait autrement. Et il a encore dit de son vivant. Ces gens sont pires que Mobutu. Ils sont pires que Mobutu. C'est pour cette raison que j'étais venu lui dire, papa, tout ce que tu disais à Mobutu de faire, tu avais raison. Je lui ai dit de son vivant, j'ai dit à son fils quand j'ai rencontré Félix, je dis la même chose. Vous êtes en train de discuter sur les Congo, sur les Haïti. Mais nous sommes là, nous ne savons pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi je suis venu de vous voir pour dire que vous voulez aller discuter avec Kabila. Mais nous disons non. Il m'a dit. Le commandant, vous dites non, mais alors qu'est-ce que vous proposez? J'avais rien à proposer. Il a dit, ce que vous n'avez pas à proposer, laissez-moi faire. Si j'échoue, j'aurais quand même essayé. Mais si je réussis, j'aimerais que vous me souteniez. C'est ce que j'avais dit, mon frère, vas-y. Si toi tu réussis, nous allons te soutenir. Si tu échoues, ce n'est pas un problème, on va être ensemble, on avance. Et Félix a réussi, il a pris la présidence. Ne pensez pas que moi, je ne connais pas, je ne vois pas certaines faiblesses que Félix est en train de faire. Mais je regarde, c'est quoi qui est l'essentiel, qui est le Congo.
Je ne vois pas Moulouba, Moukongo, Mungala. Ça, c'est pas ça. Si c'était ça, je... Mais MLC, écoutez, MLC va totaliser 21 ans. OK? J'étais dans MLC, je pense, quand j'avais une vingtaine d'années. Je fus le premier, l'un des cinq premières personnes qui ont pris l'avion et qui sont descendues sur terrain. J'étais le premier, la première personne à recruter les militaires à Kisangani. Moi, Bissa. Ntaliboso. Enfin, tous les gens que vous voyez là, tous les gens qui sont à côté de... Je dis bien tout. Je les répète encore. Avec Bemba maintenant, les gens qui ont commencé les MLC, avec moi, il n'y a que Bemba. Tous les restes sont venus après. Tout. Je pèse bien mes mots. Je suis conscient de ce que je suis en train de dire. Je pèse bien mes mots. Même certains officiers de l'armée, c'est moi qui les ai recrutés au sein de MLC. C'est-à-dire que quand on est en train de parler, il y a des... Écoutez, j'ai proposé d'aller travailler avec Félix sans que je sois payé. Je suis le seul parmi vous tous. On rentre au travail pour le Congo sans argent. Parce que normalement, la situation du Congo, nous ne pouvons pas aller commencer à travailler, à gagner de l'argent. Le peuple est en train de souffrir. Nous devons nous sacrifier comme Thomas Sankara et transformer vie à partir de Bandeko Nabisso. Et ensuite, nous allons nous reposer. Comme les Jerry Rawlings. Et ensuite, nous allons être tranquilles. Je suis contre que les gens gagnent de l'argent qu'ils sont en train de gagner. Je suis contre ça. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux faire quoi? Je vais dire quoi et à qui? Je ne peux pas forcer les gens. C'est-à-dire que quand j'avais rencontré votre leader, le président actuel du Congo, je n'étais pas parti rencontrer le président Félix, à l'époque, il était ministre, secrétaire général, secrétaire de l'IDPS et chargé de l'extérieur, je crois, quelque chose comme ça, je crois. J'étais parti comme un moine Zaïre, Mobutiste non corrompu. Voilà, peut-être qu'on t'a mis non bien, bien, bien et fan. Et quand je l'ai soutenu, les gens de chez moi m'ont dit qu'on soutenait Bangote, Balinga, Bangalaté. J'ai dit, je ne soutiens pas Félix parce qu'il y a Mounouba. Je soutiens parce que je sais et je vois que voici, ça va être A plus B égale C. C'est le monsieur qui peut être là, il parle de l'état de droit, et si c'est l'état de droit, tout le monde va se retrouver. Vous ne saviez peut-être pas, peut-être quelques personnes le savent. Papa Manda vient du même village que moi. Si je devais suivre le fanatisme, régionalisme, tribalisme, c'est dans Apareko que je devrais être. J'attaque Mbanda et les gens d'Apareko. Est-ce que vous avez vu une fois, un jour, les gens là venir m'attaquer? Mais parce que j'ai du respect pour eux. Je dis non, papa, ça c'est pas bien. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Le MLC, c'est mon parti. C'est moi qui ai créé ça. C'est mon mouvement. C'est moi, je dis bien, c'est mon mouvement à moi. On n'avait pas d'argent quand on a créé ce mouvement. J'ai failli perdre ma vie, ma sœur a été violée pour les... Je me suis battu, les gens sont morts. Boussinga a été brûlé par Kabila, les pères, si vous ne savez pas. Nous avons fait les batailles de Doulia avec des Tchadiens, là où il y a eu 380 morts à Doulia. Est-ce que vous savez ces histoires-là? C'est-à-dire que, un peu du respect. Parce que, aussi longtemps, si je vois les gens que moi je respecte au sein de l'IDPS, commence à mettre tout le monde dans le sac comme Esaïe, c'était mauvais, mais surtout Nakati. N'oubliez pas que je suis dedans. N'oubliez pas que je suis dedans. Et il n'y a rien de plus dangereux que l'honneur d'une personne. Vous devez très bien faire la séparation. Boketou ne représente pas les Esaïe. Je vous ai dit, Botala aille bien. C'est moi les Esaïe. Bien. Il y a des bananes bazar et belé posé, calme et posé. Ils sont là, nombreux. Et il y a d'autres qui se cachent encore sous les tables. Et moi, je vous dis que Nazamoula Mobutu, Mamoula Maréchal. Et puis, ils sont là, Nazar. Écoutez,
y a certaines choses que je ne suis pas en train de dire que tout ce que Mobutu avait fait était bien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de dire Mobutu était mon père. C'est-à-dire que ses défauts, je dois corriger les défauts de mon père. C'est ça que je dis. Mais je ne dois pas nier que j'appartiens aux Haïti. Moi, j'ai le plaisir d'être Zaïrois. Ça me fait plaisir quand on me dit Zaïrois. OK? Oui, mais il y a des choses qui étaient anormales. Moi, je connais beaucoup de dégâts, beaucoup de choses que les Zaïrois font. Moi, j'étais avec les gens de la Deuxième République quand Mobutu est sorti. J'ai attendu comment est-ce qu'ils étaient en train de parler, ils étaient en train de regretter. J'étais là. J'étais là en train d'écouter ce qu'ils disaient. J'étais là. Dites-moi les noms de quelqu'un, de gens influents qui étaient avec Mobutu, ils étaient avec moi. C'est moi qui les a fait fuir par Afrique du Sud, Afrique du Sud, dans la forêt jusqu'à Mozambique et Côte d'Ivoire. Moi, Bissakem Métier, j'étais là. Donc, je sais beaucoup de choses que je suis en train de vous dire maintenant. C'est-à-dire, on doit vraiment se respecter. On doit vraiment se respecter. Ça, je dis, on doit vraiment se respecter. On doit vraiment se respecter. Si vous voulez vraiment que nous, Wenge et Beba, ce n'est pas un problème. Hein? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Wenge et Beba, ce n'est pas un problème. Ne mélangez pas tout le monde. Écoutez, arrêtez. N'abîmez pas bien. Je vous dis que je suis Zaïrois. Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un comme Mobokeju? Vous me voyez en train de vous insulter? Vous me voyez aller déchirer les drapeaux? Écoutez, moi je suis élégant. Je sais. J'ai la noblesse. Je sais dire non quand il faut dire non. Mais je ne vais pas t'insulter parce que je t'ai dit non. Non, ce n'est pas ma nature. Bien au contraire, je vais te demander pardon. Excuse-moi, mon gars. Donc, on doit vraiment se respecter. Et ça, c'est important. Si vous attaquez Mokechu, attaquez Mokechu. Si vous attaquez les Zaïre, faites attention. Faites attention. Nous avons subi, nous, les innocents, subi Code des 32, juste parce que Mobutu était de l'Équateur. Vous avez pris ce qui ont détruit avec Mobutu, sous les régimes et Kabila les fils, avec Félix, il y a encore des gens qui ont détruit les Congos et qui sont dans des gouvernements, ils ont des responsabilités sur les gens de la Deuxième République. C'est-à-dire que les haïr ne signifie pas seulement nous sommes les enfants, nous voulons changer les choses, mais ayez quand même cette réflexe-là de comprendre que non. Bana Yazaï, on va comprendre Masulo, c'est que vous ne pouvez pas nous arracher, c'est l'unité du Congo. Unité, il y a Bana, fierté, on est aux Azéro, vous ne pouvez pas nous dire que voilà, donc, Zaki, moi, Nini, on a Zaki, non, le lot, tout le monde partagé. Alors, sur deuxième chose, les amis, comme Zahir n'a pas mon bout de ce nom corrompu, je pense que je n'en ai bien mot déjà, ça j'ai déjà parlé. Makambo président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous devez savoir que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a repris Sabino un message codé et belé. Mais Bino a tout besoin d'un pouvoir. Excusez-moi. L'opposition, vous n'arrivez pas à comprendre les messages codés du président Félix. Je ne pourrais pas dévoiler tout le reste, surtout ah, mais je vous garantis que le président Félix n'est pas ce que vous êtes en train de penser, il n'est pas stupide. Vous comprenez? C'est tout ce que moi je peux vous dire, il n'est pas stupide. Mais je pense que là où le président Félix a un problème, c'est au niveau des collaborateurs qui ne comprennent. Vous savez, être collaborateur d'un chef, c'est comprendre la vision du chef. C'est pas seulement obéir. S'il faut obéir, tu peux trouver des travailleurs qui vont obéir à tes ordres.
Mais un collaborateur d'un chef, c'est celui qui comprend les idées et la vision du chef. Il va les mettre en pratique sans pour autant que le chef lui dise. Il y aura un réflexe. Je vais essayer de le mettre dans le cadre de la sécurité. Vous savez, la formation pour garder le chef VIP, les personnes importantes dans la société, il y a toute une formation. Et la formation ne se fait pas encore en 5 jours. Partout dans le monde, impossible. Mais impossible. Là, impossible ça. 45 jours, aucun maman peut mettre un chef. Ça n'existe pas. Ça, c'est blagué. Tant que vous aurez marché, ceinture à sécurité, ça va être autant que vous été non. Dosé. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de Félix, je pense qu'ils ne captent pas encore bien la vision de Félix. Je crois. C'est ça la difficulté que Félix a. Moi, je suis contre Kabila, je suis contre Kabila, je l'ai dit, ils ne sont pas les partenaires. Mais vous, est-ce que vous me voyez les dire encore plus? Non. Pourquoi? Parce que je sais les comprendre quelle carte Félix veut jouer. Il est en train de jouer quelle carte? Il est parfait, non. Loin de là, Félix n'est pas parfait. Félix promène des barres, des gaffes. Mais il faut lui faire encore confiance. Je pense que si. Je pense que nous devons faire encore Félix. Il faut avoir peur, oui. Nous devons sérieusement avoir peur que ils peuvent écarter Félix. Je vous dis pourquoi. J'essaie de me réserver pour ne pas dire des choses qui peuvent peut-être alerte, je vais essayer d'être le plus simple possible. Vous savez, la raison que Kabila avait cédé le pouvoir, je l'ai dit dans une vidéo précédente, on va dire que Atiki pouvoir parce que pression Azaki Makassi, Azaki n'a choisi. Et puis, il y aura Atiki pouvoir. Il a dit que Félix a gagné l'élection parce qu'il pouvait rester. Sur Atiki, il y a quelqu'un qui a explosé. C'est même pas ma campagne, Fayoulou ou ma campagne, non. Alors, qu'est-ce que ils ont fait? Ils ont atténué la colère de la population. Kabila a quitté le pouvoir, c'était une perte pour lui et pour les gens du FCC. C'est-à-dire, ils ont cédé la présidence, mais entre-temps, ils ont essayé de prendre le contrôle du Parlement, vous le savez, et ils ont pris calmement, sans la manifestation. Sénat, calmement, sans la manifestation. Gouvernement, calmement, sans la manifestation. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, Félix? Félix ne va pas marcher avec eux totalement. Parce que Félix sait que la population est entre eux, parce que Félix fait l'état des droits. Ce qui est vrai. Ça, c'est sûr. Félix veut l'état de droit, Félix veut les changements, même si à sa parfaité, mais Félix est au moins à cette volonté-là de changer les choses. Mais par contre, les gens du FCC, les partenaires, n'ont pas cette volonté. OK? Et ils ont la volonté de rester au pouvoir, de contrôler les choses. Mais ils vont être tentés d'écarter Félix. Si Félix fait les choses qui ne le plaisent, ils ont plaire à Marocain. Quelqu'un m'a dit, l'Américain m'a dit, faites très attention. Si vous. Si vous voyez, vous savez, ma sécurité, ma renseignement, il y a certaines choses pour le Marocain. Les Américains peuvent seulement faire que des choses à un certain niveau. Je vous donne un scénario simple. Et c'est ces scénarios-là. Oh, bah, quand tu as en place, sur Balingui va écarter Félix. Sur Royoka, si vous pouvez écarter, de toutes les façons, vous n'êtes pas obligé. Dans Royoka, ou bien Rondimaté, parce qu'apparemment, beaucoup de gens qui sont avec Félix, comme quand ils sont ici, ils sont en Cambodge, prévisables, prévisables, prévisables. Alors que, en sécurité, les bruits
Même ces arguments, elles ont toujours pris au sérieux. Vous devez savoir que président de la République, dans la chasse, il y a les chasseurs et les gibiers. Les chasseurs, avec un autre gibier. Mais en ce qui concerne la protection, sachant qu'il y a Congo, le gibier, c'est Félix. Et les gens de sécurité ne savent pas où est le chasseur. Et c'est comme ça pour tous les présidents du monde. Ceux qui ont fait la formation de sécurité, de personnes, de grandes personnalités telles que moi, je fais 3 ans de cette formation. C'est-à-dire que vous ne savez pas où est-ce que attaque Kokoya. Déjà, et comment ça commence d'ailleurs. J'avais eu le courage d'appeler la famille du président Félix pour leur dire que les gens qui doivent autour de Félix doivent être les membres de sa famille. Parce que ça, c'est normal. C'est normal. Et c'est ça d'abord, premier réseau et sécurité, membres et famille. Et puis, même dans la réseau de sécurité autour de Mokonzi Mboka, il faut en avoir contre-sécurité. C'est-à-dire que beaucoup faire confiance dans leur morale. Okay? C'est-à-dire que même ceux qui sécurité à Mokassi Zali, le chef de l'État, Azali n'a droit. Il n'y a qu'aux lois sécurité privée. Il peut le faire aussi. Parce que la sécurité du chef de l'État, ils ont d'abord, ils ont mis balai. Sécurité administrative, où est-ce que dans le ministère intérieur, ma policier, ma gendarme, sur Bazali, ma tout ma garde à travail édifice, et l'or à le moi. Dans le Congo, tout le monde va bien en garde républicaine, au Bazaka détaché la présidence. Batouana va dépendre directement de la présidence. Et puis, budget à présidence. Normalement, 60% du budget à présidence, ils ont rapport à la sécurité à présidence. Ils ont rapport à la construction de Bogater. Parce que vous ne savez pas où est-ce que l'ennemi est attaqué pour remettre le président Félix Massassi. Non, ils ne vont pas faire ça. Parce que soit bête Félix Massassi, le peuple va se soulever. Ils ne vont pas être tués en les exécutant. Non, non. Loin de là. Accident, ils peuvent bien le faire. Parce que l'accident, vous ne pouvez rien faire. C'est un accident. Ils vont déployer les militaires. Le peuple ne réagira pas de la même façon que si Félix est assassiné. Si c'est un accident, bah, saboter avion Kokoya. Je ne dis pas que oh, ils ont sabotage, mais je suis juste en train de vous dire que ce qui va s'annoncer, sabotage, l'avion, la voiture, la banini, le Félix Maire, le Galéma, ils vont déployer les militaires, c'est un accident. Vous savez l'histoire du chef opposant à Béchir et à Sud-Soudan? Vous savez comment on l'avait tué? Avec l'hélicoptère. Il a fait l'accord avec le président, l'hélicoptère, et qui va saboter l'hélicoptère, l'hélicoptère, crash, boum, fini. Et la majorité, les opposants, dans ce genre de choses, je ne suis pas en train de les dire, je ne sais pas encore dire là-haut. Ils utilisent plus astuce, hein, parce qu'astuce, ils ont dit difficile votre cerveau. Tu vois, ils utilisent facilement ce président Kéhi, Félix a couru un accident, ça, il a couru. Facilement, il a dit, il a piégé l'avion, il a voyagé, voyagé. J'ai mon appoint, il a boucané, il a dit, il a bon. Pour déployer un militaire, aussi au terrain assassinaté, coup d'état, on déploie un militaire. Maintenant, dans la légalité, dites-moi, Tosan Itakala, parce que c'est le président du Sénat qui va prendre le pouvoir. Bingo. Bingo. Alors, j'ai vu certaines personnes en train de dire, oh, vous êtes en train de voir le mal partout. Mais en plus, en sécurité, on voit le diable partout. On n'est jamais tranquille. Vous ne pouvez pas être tranquille en sécurité, en ce qui concerne la sécurité d'une personnalité, la présidente de la République, la générale, la ministre. Vous ne pouvez pas être tranquille. C'est pour cette raison qu'il faut anticiper. C'est pourquoi sur mon conseil a voyagé, il y a ce qu'on appelle l'équipe d'avance. L'équipe d'avance, c'est ça qu'on a quitté sur la sécurité. Non, l'équipe d'avance arrive. Il faut attendre là. Partout président Roléka. Que ce soit quoi l'aéroport, ils doivent investir l'aéroport, avion, bah, pilote Ouana, et Salemi Nini, Nanaza responsable technique, Nanaza Libo. Toutes ces choses-là,
C'est dans la formation des gens qui font la sécurité de personnes, de grandes personnes rapprochées. Je ne sais pas. Ceux qui n'ont pas le pouvoir, ceux qui le régime à Kabila, ben, ça a une amabilité, il y a transférer ma connaissance. Voilà. Ça, je ne sais pas. Je vous donne juste un autre exactement simple. Je vois des gens qui ont fait la formation des 45 jours et qui sont dans les gardes rapprochés du président de la République. Ils n'ont pas de réflexe. Le réflexe qu'ils ont, c'est limité. Et ça, c'est garanti. Allez sur Google, allez chercher sur la protection, comment ça se fait. Les gens doivent passer des tests. Tests des réflexes. Ça veut dire, il faut un réflexe, il y a qu'à anticiper Macambo, pour autant que les chefs aillent pas. Et même s'il y a une situation qu'on maîtrise avec tact et brutalité. Parce que l'ennemi, vous ne pouvez pas savoir d'où va venir l'ennemi, ça peut être le micro. Ça peut mettre les gens qui sont en train de serrer la main au président de la République. C'est-à-dire que les responsables de sécurité, ce sont eux qui vont diriger les chefs, lui dire que ici nous allons rester ou nous n'allons pas rester, nous allons partir. Je vous donne juste un exemple. J'étais avec un chef. Hein. On était parti dans ma tante, on a Mbinza, à Kinshasa. Donc, comme les chefs avaient des femmes, avec qui trois femmes. OK. Mais étant les responsables de la sécurité, je me suis dit, il faut essayer de savoir, il faut y aller à ma place, mon a commis, équipe d'avance, ils ont le bamba, tout ça, vous devez déployer les agents. Ça, c'est sûr. Partout, les chefs là, vous devez déployer les agents. Excusez-moi. Ini, batterie, NGC, là. Vous devez déployer les agents dans la formation. Et j'ai une information que bah, moi, c'est un chef Moko. Alors, ça a plein. Maintenant, ça a plein. Bête, moi, c'est un chef Moussou avec ma tante. Et plein avant, ils avaient qui? Pas bon, pas qu'à ta courant. Quand ça soupe la manche, ceux qui m'ont foutu la moto, ceux qui m'ont dit, qu'est-ce que moi, je fais? Je vais anticiper. Je vais anticiper parce que ça faisait partie de ma responsabilité. Je n'ai pas demandé au chef. J'ai anticipé, j'ai envoyé quelques soldats, j'ai dit, allez prendre ma tel, 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 tel. Oui, vous savez que mon conseil est à Ken. Je n'ai pas demandé au chef. Et les militaires ont parti, maman s'en allait, mon conseil est au garde colonne, il y a un du Kani. Maman, on n'a pas nos mains, mon conseil est à Ken. Mon conseil n'avait pas dit qu'il y a Ken. Tant qu'il le chef de l'État là, à moi, il m'a signé à la santé. Vous comprenez? Ah, à Bengi. Oh, mais yo, on s'en. Oh, on s'en. Yo, tu dis qu'il y a Bengi. Le chef devant tous les gens, il commence à crier. Moi, connaissant, en tant que bien formé en sécurité, je ne peux pas répondre au chef sur place. Alors, le maire, je suis devant, mais écoutez, papa. On démarre la voiture dans la live. Dans la matinée, la Jeep, il y a Master de Moussous. Tant que maintenant, Jeep, il y a Master de Moussous. Et puis, les Master de la Kish, ah, ça y est. Où ça va, la Zahir? Oui. Et ça va, Marwa, et ça va. Bon. Les choses vont changer. Tant maintenant, j'ai pas ma salaire. Ah non, qu'est-ce qu'il y a? On a débriefé. Ah ben, ici, comme ma salaire, oh, mais, qu'est-ce que tu as sauvé? Ni, n'a pas expliqué, expliqué. Mais hier, mon cousin continue à au syndicat. C'est-à-dire, il ne pouvait pas montrer que, dans sa liberté, on peut pas devant ma salaire, on peut pas au syndicat. Non, la dignité, mais tant qu'il n'y a pas la live, il m'a donné 10 000 balles. Vous comprenez? C'est-à-dire, j'avais fait mon coulot. C'est-à-dire que mon tour de mener à vous, vous avez mené à mon cousin Boka, ce n'est pas à mon cousin Boka de faire certaines choses. C'est aux collaborateurs d'avoir le réflexe. Ils ont la communication, ils ont la sécurité, ils ont l'anime. C'est-à-dire que ceux qui m'ont pêché le bateau, ils ont pêché le bateau. La sécurité, par exemple. OK? Bateau, il y a une bande. Normalement, les gens qui doivent être à côté, il y a yo. Il faut yo yé babango, formation basu. Les gens qui doivent, si moi je suis chef de sécurité à mon tour,
les gardes du corps bah, pour confier, il faut aller à la formation. Je dois participer à la formation. Je dois savoir. Mais ce n'est pas dans 45 jours. Ce n'est pas dans 30 jours. Non, c'est faux. Ces gens doivent être loin. Parce que quand le chef marche, quand il monte dans une voiture, c'est-à-dire que quand on a bâti la voiture, il y a position, il y a une moto, 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 il y a une moto. Même quand vous marchez, quand les gens marchent, vous avez la position à pied, vous avez le système à pied, ou bien vous avez le système à I, I renversé, ou bien il y a W, c'est-à-dire que vous avez une moto, 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 parce que l'ennemi d'abord, dans la sécurité, il y a toujours l'intérieur. La majorité des cas, il y a quatre abîmes. Il y a moi là, il y a toujours que confiance. On passe confiance à 100% parce que on évite tant de choses en amont, dans ça, dans un ami. Donc ce sont des petites choses. Oh yo, peut-être tout court le bambou, peut-être tout mais toi, tu qui es la Félix à ça, maintenant ma famille les a déjà là là. Toi zongi ça, toi tu connais ma camboya Zaïre, ma camboya Nini, toi tu en as à côté. Mais moi, je vous dis que je suis Zaïrois. Donc, si vous avez Finga, ma Zaïrois, ah, moi, je vais vous Finga. Si vous Fingi, je vais Finga à Binote. Si vous Fingi, je vais vous Fingi. Si vous Ketu, Sali Bouzoba, vous Finga Boketu. Vous mélangez ma Zaïrois, vous tchawan en général. C'est-à-dire que vous avez un drapeau dans un bout, vous avez un signe, un père, un attaque. On rebattait que non, bisada zo batte parce que voilà que toi et simbatte. Mais bisi binoa que Nazali Nani Boyoka nzembo. Ngamo ngwandi ya solo e pana biso na ya koma. Mongala ya solo abanga kali kambote azala ko ben misoga atambola kana fiere. Nabeli bangala nyoso bamongo bambuza. Bangwandi bangwaka, totele matobi na narik mambo kananga Atako mondele la tiyo, kobo son origina yote Tozali obe babantu, kobo sanabisi ko utite Nga mongwandi ya solo, epa nabiso na yakoma Mongala ya solo, abanga kalikam Voilà, donc dans un villageois, na banga yolo ote, na tosa rande Donc, tout ce rôle-là. C'est-à-dire que, tant qu'on a fait ça respect, Nabino, ce qu'on fait dans tout, moi, respect, ça. Dans la propre, dans la faute. Parce que, on va voir, il y a un plan là, il y a un plan là. Donc, avant tout ça, objectif à Congo, nous pensons que Félix a un élément pour les Congolais, notre soutien derrière Félix. Et nous pensons que Azamo Namboka, il va faire le bien pour la population. Et nous prions aussi que Dieu puisse le bénir. Dirama Sinaye, après ça y est sagesse, à Jirembokala Malamo. Boti Kaba Division, Félix Aza déjà président. Azali Soussou, mon conseiller parti politique. C'est-à-dire, na bato bazomi benga bana Zaïre, na bato bazomi benga bana Congo, Félix Aza mon conseiller biso yon surtout. Ce que comme Kabola, wana Zabino. Ce que comme Loba ono, non, Aza mon Zaïre. Ouais, vraiment déjà comme moi à Congo, ou ta pas la Rwanda à solo. Na ndenga faute. Na ndenga vrai. Drapeau wana, ou ta pas la Rwanda à solo. Na ndenga faute, na ndenga vrai. Qu'on passe un drapeau et à ma B. Qu'on finit qu'on passe un drapeau T, qu'on soit à la route T, tout ça. Mais de toute façon, vous m'avez mis dans vos années, vous pouvez vous mettre dans vos pémba. Le boss, vous pouvez vous mettre dans vos pémba. Vous pouvez vous mettre dans vos pémba. Vous pouvez vous mettre dans vos pémba. Vous pouvez vous mettre dans vos maréchal. On a un père, on a du saut. C'est-à-dire, tu dis qu'il y a un défaut, un vieux basali. Il faut que vous êtes vivant. Tout le monde pas ensemble. Vous êtes ensemble, ça va. Mais. Tout solo là, parce que ce qui n'a pas sali ma bé, vous condamnez n'a. Moutou a sali ma bé, condamnez n'a. Bien qu'à l'année, moutou vous condamnez. Bouquet tu as sali ma kamonaï, moutou a 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 sali ma kamonaï,
yo moto pe noza sensé, oza licencié, oza soki docteur, oza soki avocat, oke no répondre moto kwa bouke tu yo moko. Si kon yo, son bouke tu a condition arrangé na ye, tu vas dire quoi? Yo pe na moto za lide, oza moto za maye le belo zo zuno, yo pe na moto pe no bi koza résistant, oza combattant, yo ndimi no ke no bouke tu lide anan. C'est toi qui as décidé, c'est pas tout le monde. Si tu as décidé ainsi, c'est tant mieux. Mais je peux pas nier que Bouquetu n'est pas mon frère congolais ou mon frère de l'Équateur. Moi, avec Bouquetu, tout sur la relève, tu as tatiqué le gars. Je peux pas. Là, il y a Bouquetu, mais là, il y a Bataille de Pêche. Non, je suis pas comme ça. C'est pourquoi Bataille de Pêche, c'est trop comprendre la position. La position, la raison, à mon Azaï. À mon maréchal. C'est ça ma position. Et on gagne. Écoute. Et fan. Je suis un homme qui a fait ça. Nada. Si on finit, que n'a rien na yo. Sauf. Bon, je ne vais pas bêtiser, vérité. Mais on va bénir, bino. Mais ça.